Famille et amis, jodi a nous aimé partager quelques mots de réflexion avec vous. Depuis mon tout petit, nous toujours tendez à parler de le bien et le mal. Yo dit que le bien représenté papa bon Dieu et le mal là représenté Satan le diable. Nous toujours tendez yo dit que bon Dieu c'est lumière et Satan c'est ténèbres, fait noir. En Haïti, les gen blackout et puis yo bay lumière, tout monde content et puis yo rele wè yo bay lumière. Tout ti moun prend la rue, ça ka fait la godeli. Ça cap bay blague, ça cap faire one, ça cap garde télévision et c'est la gaieté, c'est la joie, tout le monde qui est content. Mais là on prend lumière à tout, tout le monde dans chagrin. Tout le monde en alerte, surtout les marchés dans fait noir parce que yo pas veulent pied yo piler n'importe bagaille et yo pas veulent tomber dans trou. Là gain blackout, tout le monde paix, que grand monde ko ti monde, que c'est pour diable, que c'est voleur yo paix, que c'est malfaiteur, kidnapper, tout le monde rete dans caille par mesure de précaution. Ou qu'on est moins fini par remarquer, c'est pas seulement Haïti que moun pa rien fait noir, mais c'est un bagage global. Tout partout sur la terre depuis qu'il fait noir en côté, tout moun pa à l'aise. Raison c'est parce que fait noir marche avec panique et insécurité. Depuis qu'il fait noir, a toujours gain victime, a gain frayeur, a gain ignorance, crime, a gain injustice, a gain esclavage. Tandis que les gain lumière, c'est l'amour, c'est qu'est content, c'est la clarté, la vérité, l'assurance, la sécurité, la joie, la vie, etc. Jésus, dans Jean 8, le verset 12, il dit nous, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et encore, dans Jean 12, le verset 46, Jésus dit nous, je suis venu dans le monde comme une lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Dans déclaration sa yo, Jésus fait appel à tout monde qui voulait vivre dans la lumière pour suivre lui. Et comme ça, moun sa yo va faire expérience de la paix, de la joie, de la liberté et de la vie que seulement Jésus bail. Parce que depuis ces moun qui vivent dans fait noir, moun sa son moun qui vivent dans menti, moun sa son moun qui vivent dans ignorance. Gagne un proverbe panyol qui dit depuis gen ignorance et bien y a gen servitude, a gen esclavage. Ça te dit pour montrer que les noirs depuis yo kembe yo dans l'ignorance, un biye yo pa jam konnen la vérité, y a toujours été esclave. De même, yon moun ki poko fè la paix avec Jésus, yon moun ki poko konnen bon Dieu, un biye ou a vivre dans l'ignorance, ou pa vivre dans la vérité, ou a vivre dans le mensonge, ou sujet à esclave Satan, esclave alcool, esclave la drogue et toute l'autre vicieux, toute l'autre addiction qui existe yo. Tendez bien, c'est dans fait noir toute vie bagay yo fait. Voler, malfaiter, lougaou, tout fonctionner dans fait noir. Dans yon chant, monsieur haïtien yo dit que ba yo ti blackout yo parce que yo fonctionne la dan pi bien, c'est la dan yo vive. Pour qui ça? C'est parce que depuis gen blackout, an bien ap gen désordre, ap gen corruption, ap gen injustice, ni peuple ni gouvernement yo tout ap vive dans fait noir parce que pas de transparence, 0 tourne 8, 1 ap tourne 9, peuple a fin déchaîné, ap craser briser bête dife parce que pas gen honnêteté. Ou même zan même kap tande paroles de vérité ça, paroles de lumière ça, moi conseille ou pour prendre petit temps pour réfléchir. C'est les hommes en général qui pa renmen la lumière. Ou pa wè que c'est plus bagay qui immoral que la société promote, bagay que nous te considéré malhonnête, bagay que nous te considéré déshonnête, en bien c'est yo même que les hommes pratiquer gros la journée. Parole bon Dieu a dit nous dans Jean 3 le verset 19 au verset 21 et ce jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pas ça, ça montre nous que les hommes préféraient faire noir, ils préféraient mensonge au lieu que ils embrassent la vérité, ils embrassent la lumière. Dans Jean 8, le verset 12, Jésus offre nous lumière ça. Jésus dit tout le monde qui suit moi, ou pas bien pour marcher dans ténèbres encore, ou pas bien pour peur mon encore, ou pas bien pour vivre dans anxiété, mais ou pas qu'à marcher avec tête ou haute parce que la vie est assurée dans Christ. Qui ça ouvre? Ou voulez faire partie des enfants du jour ou des enfants de la nuit? Ou voulez faire partie des enfants de la lumière ou des enfants des ténèbres? Alors, tout le monde qui fait partie des enfants de la nuit, en bien monde ça va vivre dans les ténèbres. Et si vous vivez dans les ténèbres, vous êtes encore les esclaves de Satan. N'importe qui a menti, malfaiteur qui a fait au paix et qui a même mangé au même. Tandis que nous-mêmes qui vivons dans la lumière, en bien nous vivons dans la liberté et puis nous ne prenons pas pression. Nous-mêmes qui vivons selon la lumière, mais qui fuit que nous produit. Selon Éphésiens 5, le verset 9, il dit nous, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Zanmim, parete nan blackout la, parete esclave Satan, vin accepte Jésus qui c'est la lumière du monde, ou va gen la vie éternelle, et ou va vivre dans la bonté, dans la justice et dans la vérité.